Allez les gars, salut à tous les gars, j'espère que vous allez tous super bien les gars. Donc, on va traiter le champ d'herbe qu'on avait fini. On va... Ah putain oui, attends, faut que je vende le petit véhicule en fait, j'en veux plus. On va placer aussi des bâtiments, on va aller traiter ça, je pense au pire vite fait, on va prendre le JD. C'est parti. J'ai fait la mise à jour de la map, donc ça a rajouté quelques barrières en fait autour des champs, tout ça. Ça a rajouté des petites barrières un peu partout. Après, on va ranger aussi le foin. Et je pense qu'on va commencer à aller chercher du coup la paille au magasin. On va aller stocker aussi un peu de big bag, de machin. En fait, on va faire un peu de transport aujourd'hui, je pense. Regardez, hop. En fait, en gros, du coup, il y a des barrières maintenant. Ça, c'est bien. Tac, tac, tac. Je vais aller voir le temps que ça se déplie. Hop, on va aller voir le champ là. Donc, du coup, je pense que celui-là, on va lui redonner un petit coup de traitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait une très très bonne idée. En attendant, j'espère que vous allez tous très très bien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, les gars. C'est gratuit, ça fait plaisir. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner au maximum, les gars, à la chaîne YouTube. Ça fait extrêmement plaisir, ça aussi. C'est gratuit. On est bientôt 7500, on est 7300. Bon, on n'est que 7310, mais bon, 7500, 200 abonnés, ça peut aller très très vite. Voilà. En tout cas, sur TikTok, les gars, aussi, n'oubliez pas, venez. Les gars, on est bientôt 27 000 sur TikTok. On est 26 980, je crois. Bon, ça se trouve, le moment où la vidéo sortira, ça se trouve, on aura largement les 27 000, ce qui est possible. Pour l'instant, je ne sais pas trop, les gars. Mais bon, les gars, je compte sur vous, j'espère vraiment. Ça ferait très, très plaisir. Bon, on va traiter tranquillement ce petit champ-là. Après, ouais, on va aller chercher, je pense, la paille aussi, hein. Franchement, j'aurais bien taffé, j'aurais bien été chercher avec un plateau. Tac, tac, tac. Donc, du coup, par contre, faut que j'aille avec le. Bah oui, le merlot. Mais le merlot, après. Oh, bah, il reste une botte. Ah, bah, faut que je vienne la chercher. Faut absolument pas que je l'oublie. Mais du coup, là, je voulais absolument traiter, les gars. Tu vois, j'aurais dû l'utiliser, ça aurait été beaucoup mieux. Mais là, je voulais traiter avec du coup de l'engrais. Parce que du coup, bah, je voulais vraiment que le champ il pousse et qu'il y ait vraiment un gros rendement. Parce que je pense qu'on va garder qu'un seul champ d'herbe, ça va suffire. On va acheter 30-40 vaches. Là, du coup, faut que j'achète le champ à côté, tiens, en maïs. Attendez, en tournesol, est-ce que celui-là, il a été acheté ou pas? Tac, 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 je suis où, moi, déjà? Non, 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 non. Ok, c'est celui-là. Non, tu vois, il n'a pas été acheté. Hop, on achète, les gars, on achète le champ. Ça fait extrêmement plaisir, c'est la base. Par contre, je ne peux plus monter dans mon tracteur. Voilà, c'est parfait. Bon, nous on va finir ça, je vais aller traiter l'autre champ, on va se retrouver directement, on va commencer à construire notre petit coin là-bas pour les vaches. Donc faudrait deux petits bouts de bâtiment, un petit bâtiment pour stocker la paille et le foin, même s'il n'y en a pas beaucoup. Enrubannage, on va faire de l'enrubannage, bah non, un autre petit champ d'herbe. Celui-là, tiens, bah celui-là à côté, faudrait que je commence à le semer en herbe. Celui-là à côté, les gars, ça serait extrêmement bien. Attendez, hop, on va regarder aussi combien il coûte, combien ceci. Est-ce qu'il est à moi ce petit champ? Hop. Ok, tac, il est à moi maintenant. Voilà. Bon, on va finir tout ça, les gars. On va commencer à semer de l'autre côté. On va ranger les bottes. On va commencer à aller chercher des bottes de paille. On va essayer de faire plein de petits trucs. Comme ça, la prochaine vidéo, on va peut-être pouvoir commencer à acheter les vaches et faire quelques moissons. Et puis voilà, ça sera déjà, je pense, encore une bonne petite vidéo, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous me direz un petit peu tout ça. Allez. Bon, du coup, les gars, on est obligé d'échaumer d'abord le champ. Après. Là du coup derrière bah, j'ai enlevé l'ouvrier, du coup il y avait l'ouvrier, tout ce que l'ouvrier il avance plus vite que mon tracteur. Donc du coup en fait il m'a rattrapé. Et puis après un moment là j'étais en train de publier un TikTok, donc du coup bah j'avais laissé l'ouvrier, moi j'avais pris un petit peu d'avance et puis du coup bah, il m'a rattrapé en 2 secondes. Donc du coup mon tracteur là il est bien bien sale, on va aller le laver, on va aller poser les bâtiments, je vais mettre vite fait en route l'ouvrier directement. Comme ça, après, bam, celui-là, il a fini aussi. Allez, hop. Oh, et par contre, celui-là, c'est super bien. Il a presque plus d'essence. Ça, c'est stylé. Et je crois que ça va être le premier plein que je vais faire dans Farming Simulator 22. Le gars, le jeu, il est sorti depuis presque un an. Et je me décide enfin à vouloir vraiment jouer, à investir dans une carrière. Oh, il a mis des barrières et des petits sapins, là, dans mon côté de mon champ. C'est stylé, ça. Donc, ouais, l'investissement. Bon, écoutez, les gars, hein, toujours pas très réaliste. Ça, c'est moi. Oh, tu vas peut-être plus m'enlever ces charrettes là, ça aurait été bien. J'aurais bien kiffé. Ouais, si, si, on va laver quand même un peu. On va déjà laver ça, puis on va garder le.
le tracteur sale pour une photo sur Instagram, je pense. Ouais, on va faire ça, les gars. On le lavera, on finira de laver le tracteur plus tard. Donc, du coup, on recule. Tout à fait, c'est magnifique, c'est parfaito. Allez hop. Oh mince, Didier quand même a tapé partout. Ok. Bon, tac, on va le laisser là, celui-là. Voilà. Ok, les gars. Lui. Il donne ça, là. Allez. Celui-là, il rentre à la ferme. Celui-là, bon, le John Deere, il n'y a pas besoin de le laver. On va laver vite fait le semoir. C'est pareil, on va laver le semoir, on va le ranger. Ouais, c'est si on va faire ça. On va laver le semoir, on va le ranger. Puis après, bah les gars, j'aurais bien placé mon bâtiment parce que ça va faire 6 minutes de vidéo et j'ai toujours, depuis de base, je devais placer absolument mes bâtiments. Et au final, on s'est retrouvé à faire encore un autre champ, à acheter des champs. Bon, après, j'avoue que c'est bien, ça met un petit peu d'animation, comme on dit. Tac, donc du coup, faut toujours que ça soit très propre. Par contre, faut que j'aille absolument chercher des petites palettes pour les semoirs. Pour le merde, putain, pour les semoirs, pour les graines, et faut que je prenne aussi deux bidons d'engrais liquide. Faut que j'en prenne deux, trois trucs de palettes, ouais, 3-4 palettes pour le semis et 2-3 trucs comme ça. Là, ça pourrait être pas mal. Ok, bon, tac, celui-là il est à peu près propre. On le rentre, on le remplira plus tard. Ok, c'est bon, ça s'est rentré. Ok, bon bah super, nickel. On lavera aussi le tracteur plus tard. Là, on va aller s'occuper de placer ces petits bâtiments. Il va être grand temps. Tac, donc du coup, pour placer les bâtiments, c'est de l'autre côté. C'est ici, tac, construction. Voilà, allez. Voilà. Alors, petit abri. Attends, on va se mettre comme ça. On va choisir un petit abri, les gars, pas trop mal. Bon, du coup, les gars, on place ce bâtiment-là. Donc, objet chevauche... dans un autre. Non. Ah, si, on peut pas mettre. Objet chevauche dans un autre. Ah. Mais non, mais c'est quoi, ce bazar? Putain, ça aurait été bien, là. Ça aurait été pile-poil bien, là. Il y a quoi d'autre comme bâtiment? Attendez. 10 000. Wow, c'est quoi, ce truc de fou, là? Il est géant, celui-là. Non, il n'y a pas autre chose de bien, plus petit. Ça? Non. Bah ouais, mais bon, là, ça va me poser des petits problèmes, là, s'il n'y a rien qui veut rentrer. 44 000, est-ce qu'on ne mettrait pas là? Bah sinon, on va le mettre là, à l'ombre. Hein? Ok. C'est bon. Ok, les gars. Alors, donc, du coup, en fait, on va ranger le foin ici. Donc, ah oui, 44 000, 17. Donc, le foin sera rangé ici. La paille, l'enrubanage. De toute façon, on n'aura pas beaucoup de vaches. Ici, je vais voir ce qu'on peut faire, mais je pense qu'on va refaire un truc propre. Et où on va pouvoir... Ah oui, attendez, d'ailleurs, on va les laver vite fait, les tracteurs. Parce qu'ils sont restés allumés, donc autant les laver vite fait. Mais du coup, oui, on va pouvoir faire un beau truc, je pense. Un truc différent. Et sur les côtés, du coup, comme ça, au moins, du coup, ça sera plus joli, plus propre. On pourra faire ça tranquillement. Et donc du coup je vais pouvoir après ranger toutes mes bottes en fait en gros en trois parties, donc en rubanage, paille et foin. Et puis oh bah donc c'est vrai qu'une fois qu'il est propre le tracteur c'est peut-être un peu mieux quand même, on y voit plus clair là-dedans. Donc comme ça, tac, ça les gars, ça c'est propre. Au moins, hop, toujours avoir du matériel propre les gars pour l'entretien, même pour les filtres et tout, parce que sinon après il n'y a que de la merde, il n'y a que de la paille, de la gadoue. Par contre le CAS il se salit largement plus vite et largement mieux que le John Deere. Le John Deere il se salit moins vite. Et moins bien. Mais celui-là, ouais, ça l'est dur et très très bien. Du coup, la photo, les gars, a déjà été postée sur Instagram. Tu vois, là, en gros, je suis en train de faire la troisième partie de la vidéo. Parce qu'en fait, bah, du coup, on a déjà fait deux vidéos de 3 minutes et des boîtes. Donc là, la deuxième partie, et en fait, la troisième partie, du coup, j'ai déjà posté entre les deux. J'ai déjà posté, du coup, une photo des tracteurs que je vous disais. Bon, celui-là, on va le ranger. On va ranger aussi le John Deere. On va finir de ranger le fond là-dedans. Les gars, faut vraiment procéder par ordre parce que sinon, on fait 36 000 choses en même temps. Tac. Donc là aussi, on va refaire un peu bien la station à un moment. En fait, en gros, on va faire une vidéo. Je pense qu'on va se retaper la ferme. Mais vraiment, tu vois, propre.
propre caliente, tu vois, avec un peu de gravier, un peu de goudron, un peu de ceci, un peu de cela, tu vois, un petit truc propre. Et ça, ça pourrait être super, super bien. Après, niveau matériel, celui-là, limite, je pourrais le mettre de l'autre côté. Pour l'instant, là, pour aujourd'hui, on va le laisser là. Mais du coup, tu vois, le Striker, là, il a 5 heures, il est rendu il a presque plus d'essence, le Jundar, ça, c'est cool. Le Merlot, il a pas beaucoup dans le Merlot, je viens de l'acheter, hein, il a 1 heure. Donc ouais, celui-là il a pas beaucoup bougé. Ça on va essayer de l'enlever et limite de le replacer là, l'espèce de silo où on peut stocker du grain. Parce que du coup on va faire des stocks de grains les gars, en gros faut revendre que vraiment dans les bonnes occasions. Là les gars on va pas faire très réaliste, on va passer à travers, les gars vous me connaissez. Bon il y a tout qui va tomber, ça c'est... Oui bah de toute façon c'était obligé que ça se passe comme ça. Donc là les gars on va ranger ça tranquillement, parfaitement. Et après du coup les gars on va voir pour aller voir si le mon champ quand en train de pousser, s'il faut aller le traiter ou pas, s'il faut aller le traiter ou pas, du coup, pour le récolter. Ou toc, presque fini de ranger. Alors, hop. Bam. Bon, du coup, les gars, je suis un petit peu concentré, parce que c'est vrai que sur manette, c'est pas forcément super pratique, l'équipe. Ok. Bon, ça sera rangé à la wall again, on s'en bat les steaks. Ok. Ok. Bon bah voilà. Tac, on recule. Tranquillement, doucement. On range les 3 autres. Ça fait 6, 7, 8. On a 8 bottes. Et je crois qu'il m'en reste une dans le champ là-bas. Mais du coup d'abord on va aller traiter d'abord le champ qui a été semé les gars. Absolument. Et après on verra pour aller chercher au PDK la botte s'il faut. Ou on verra s'il faudrait quoi. Absolument qu'on aille chercher aussi la moissonneuse. Faudrait qu'on voit pour acheter ça l'équipe. Pour acheter la moissonneuse batteuse, ça serait pas mal. Regarde ça. Petit rangement caliente. Voilà, c'est pas beau ça. Eh, franchement, la petite ferme, les gars, franchement, elle se passe hyper bien. Tac, on reprend celui-là. Ouais. Le champ d'herbe est traité, donc il va repousser. Enfin, j'avance le temps en off que du coup, on puisse commencer bah, les moissons dans le prochain épisode. Mais du coup, peut-être acheter peut-être la moissonneuse dans cet épisode-là. Comme ça, bah au moins ça sera fait. Puis bah voilà, un petit peu de nouveau, un petit peu de rangement. Et puis apparemment, faut que j'aille aussi chercher le plateau, un plateau avec de l'engrais liquide et de la semence, parce que là, les gars, on arrive vraiment à la fin. Je suis même pas sûr d'arriver jusqu'au bout du champ que le pulvier va être vide de 24%. Ah mais ça traite automatiquement. Je sais pas. Attendez, je vais regarder un truc. Non, c'est là. Ouais, bah écoute, c'est pas grave. Si ça traite automatiquement, écoute, c'est super bien. Moi, ça m'arrange, à vrai dire. Donc, bah écoute, voilà, ça sera très bien. Par contre, les gars, je voulais faire un truc vite fait. J'avais vu ça. Outils. Voilà, non. Extension de silo, production, décoration. Ok. Voilà. J'aurais bien mis des petites barrières blanches comme ça. Ok. Ok. Là. Ok. Et donc, du coup, en fait, en gros, ce qu'il faudrait là maintenant, c'est mettre. Oh, bah dis donc. Voilà. Voilà. Non. Ah si, ça peut le faire. Hein. Attends. Je crois que j'entends faire de la merde là. Ah ça c'est même pas droit. Bah allez. Ah ouais. Ah quoique non. Quoique non, là j'en mets là je supprime ça, j'en mets un autre là, un double. Et non bah les gars je vais refaire ça bien. Ouais non en fait en gros si c'est ça. Faut que je refasse ça là. Et même là du coup à l'entrée de la ferme, là mettre un beau petit portillon je pense. Et puis voilà, puis ça pourrait être pas mal ça. Bon, on va aller chercher le plateau. Oh, regardez les gars ce que j'ai fait. En vrai je kiffe. Tac, du coup petite ouverture pour la ferme. Comme ça du coup ça bloque un peu l'entrée bah, pour tout le monde à la ferme et tout. Bon non, on va laisser ouvert. Et j'ai fini là-bas, puis je nous ai mis une petite cabane, tout ça, bon soit peut-être dans cet épisode ou dans le prochain épisode, je vous montrerai. Je nous ai mis une petite cabane et tout. Oh non. Bon bah d'accord, bah comment perdre du temps avec les vidéos YouTube. Déjà que j'ai pas beaucoup de temps pour faire des vidéos, parce que j'ai pas une bonne connexion et tout. Et en plus de ça du coup je me plante et du coup je perds déjà 5 secondes. Putain, je devrais déjà être rendu plus loin que le virage. Ah là 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 là. Bon en tout cas les gars,
Vous revenez un peu plus présent qu'avant sur YouTube, ça commence à remonter un petit peu, c'est pas énorme, mais ça fait déjà extrêmement plaisir. Bah écoutez les gars, voilà, essayez d'être là au plus en plus présent, ça fait plaisir. Et donc, bah voilà, c'est déjà pas mal quoi. Bon, du coup, nous on traverse là, allez, passe-toi avec ta petite déesse, maman la beauté. Tac, donc du coup, nous, bah voilà les gars, on est arrivé, donc là il y a notre plateau. Par contre, du coup, je viens de penser qu'en fait, bah, j'ai pas emmené mon Manitou. Donc le problème, c'est que du coup, bah, ça sert pas à grand chose qu'en fait, je suis venu avec un. Ouais, c'est. Ouais. Eh bah écoutez, on va louer un petit. Un petit truc, un petit chariot élévateur. Tu vois bien, du coup, chariot élévateur, on va louer le plus petit, tu vois, 39 000 euros. Tac, ça coûte 2014 euros la location quand même. Et putain, en vrai, c'est pas donné. Oh, Tanguy, c'est pas donné cette connerie. Tac, bon, nous on va charger ça, les gars. En attendant, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça aurait été assez long. J'espère que vous aurez kiffé. N'hésitez pas à proposer des idées. N'hésitez pas à, voilà, à partager à vos amis. Voilà, n'hésitez vraiment pas, ça ferait extrêmement plaisir. Je compte vraiment, vraiment sur vous. En tout cas, les gars, je vous souhaite une très bonne rentrée parce que je pense pas qu'il y aura de nouvelles vidéos. On arrive fin août. Voilà, donc je pense pas qu'il y aura une vidéo début septembre, je sais pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne rentrée pour vous tous. Voilà, bon bah j'espère que voilà, votre classe vous plaira, ceci, cela. Et voilà. En tout cas les gars, n'hésitez pas à venir sur TikTok, n'hésitez pas à venir sur Snap, vous l'avez dans la description, ça fait toujours très plaisir. Oh. Oh les gars, je suis en train de faire des dingues. Voilà. En attendant les gars, c'était Naïmémo. Et puis je vous souhaite voilà, une très bonne journée. Ciao ciao!